Salut les amis de la brique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un modular. Alors cette fois-ci c'est une belle bête, il attend depuis très longtemps et bah ouais il est vraiment temps que je le monte pour justement être mis à côté de la mairie. C'est le Lego Creator 10255 qui compte pas moins de 4002 pièces et qui a été fait pour les 10 ans des modulars, de la série modular. Il mesure 38 cm de large et 35 cm de haut. Voilà, je vous ai donné un peu toutes les infos, j'ai hâte de le monter. Parce que je le trouve vraiment magnifique ce set, il sera très très bien à côté de la mairie. Et voilà, et ben j'ai hâte de le monter. Et ben on va passer tout de suite au déballage. Alors les amis, je vais déballer les sachets. Par contre, comme il est énorme, je vais déballer sachet par sachet, sinon ça va être trop compliqué à monter. Et ben écoutez, je vais l'ouvrir et sortir les premiers sachets. Donc voilà, les premiers sachets. Sachet numéro 1 qui était dans un petit carton à part, avec jusqu'au sachet numéro 3. Et l'énorme bouquin qui présage déjà de longues heures de construction. Et bah du coup, je vais commencer avec les sachets numéro 1. Alors juste une petite parenthèse, déjà dans le sachet numéro 1, il n'y a pas de figurine. Voilà, c'est vraiment la petite parenthèse. Et normalement, il y a les caniveaux ici, mais du coup, je ne vais pas les mettre, je vais les mettre de côté. Et je vais directement continuer avec des comme ça, pour éviter justement de devoir les redémonter par après. Parce que c'est un peu chiant. Comme ça, je les démontrerai pas, je les mettrai directement sur la route. Donc, a priori, il y a trois caniveaux. Donc, j'ai récupéré trois grises comme ça pour justement ne pas les mettre, les caniveaux. Et je les laisse de côté, là, je les sors, hop. Comme ça, je les mettrai directement sur la route. Et voilà, c'était tout. Du coup, on va continuer la construction. Donc les amis, voilà, on a fini le sachet numéro 1. Donc on a la base et on a une petite poussette aussi qui est assez mignonne. Voilà, le sachet numéro 1 est fini et ben on va passer au sachet numéro 2. Bon ben voilà les figurines du sachet numéro 2, les premières. Donc une personne je pense qui va dans la boulangerie et un cuistot. Voilà. Alors les amis, juste une petite parenthèse, je sais pas si on le voit à la caméra, mais là, on voit les points d'injection complètement dégueulasses, et ça donne du mat. Du coup, il faut à chaque fois faire attention de les placer côté brillant pour que ça fasse propre. Ça, je trouve que c'est de plus en plus fréquent, surtout aussi sur les unes rondes, où on voit le point d'injection au milieu. Là, sur le jaune, ça passe pas mal, mais sur le transparent, ben, ça devient blanc. Du coup, si on s'en sert comme lumière, c'est un peu moche. Sur le rouge, ça devient un peu rosé. C'est vraiment dommage parce que avant les pièces on pouvait vraiment les mettre dans les deux sens. Je comprends pas pourquoi ils trouvent pas un système pour mettre le point d'injection en dessous ou sur le côté ou quelque part. Enfin après c'est pas moi, je suis pas technicien chez Lego, spécialiste dans l'injection de pièces. Mais je trouve quand même que les injections elles sont de plus en plus dégueulasses pour ma part.
par exemple, comme là, ces pièces-là, les carrés une, les carrés une fois une, ben, l'injection, il est en dessous. Alors, je comprends pas pourquoi ils le font pas pareil ici. Il y a peut-être une raison, hein, mais en tout cas, je sais que j'avais justement regardé avec des vieilles pièces plus âgées que j'avais. Il n'y a pas ce défaut. Là, de plus en plus, on a l'impression que la quali, elle est plus au rendez-vous, quoi. Ça commence vraiment à être dommage chez Lego de baisser la qualité comme ça. Mais bon, voilà. C'est un petit coup de gueule, un petit constat. Je pense que la plupart l'ont remarqué. Je finis et puis je reviens vers vous. Alors, le sachet numéro 3, il est fini. Je vais vous montrer un peu vite fait la devanture. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, hein, quand on fera des plans par l'avant. Mais voilà, moi ça me plaît beaucoup. J'aime bien le fleuriste, j'aime bien la petite boulangerie qui est vraiment sympathique. Avec la pièce montée qui est vraiment, vraiment très belle. Et puis ça me rappelle des souvenirs d'il y a quelques semaines. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur la ville. Et du coup, eh ben, on va passer au sachet numéro 3. Il y en a nouveau pas mal. Alors voilà la figurine, et il y a aussi un petit chien, alors je sais pas pour l'instant où ça va, je vais mettre tout ça là. Et la figurine, je pense qu'elle doit avoir cette pièce, je sais plus ce que c'était. Peut-être un café, quelque chose. En tout cas, ça a l'air d'être ça. Voilà, et ben, je vais attaquer la construction. Alors les amis, je suis désolé, il y a eu un petit bug, du coup il va peut-être manquer une partie, je sais pas quand il s'est arrêté l'appareil, je suis vraiment désolé. Et voilà, bah je continue en tout cas. Alors les amis, le sachet numéro 3 est fini. Et il y a déjà pas mal de pièces en plus, hein, quand même. Au bout de 3 sachets, on a déjà tout ça. Alors la devanture, le rez-de-chaussée, il est vraiment magnifique. Je vous montre vite fait. Mais je vous montrerai tout ça en détail à la fin. Il est, franchement, ce set est vraiment magnifique. Je suis content de l'avoir acheté parce que j'ai hésité... J'ai hésité avant de le prendre, question de budget, etc. Et puis finalement, je me suis dit, il faut que je le prenne, c'est pas possible parce qu'il est vraiment magnifique. J'avais aussi peur de pas avoir de la place pour le mettre, mais finalement, voilà, j'ai en changeant la ville à fur et à mesure, j'ai réussi à trouver pour le rentrer. Et voilà, bah, je suis vraiment content, il est vraiment chouette. Et bah, on va passer au sachet numéro 4. Alors les prochains sachets, je vous avoue que je vais pas savoir comment faire parce qu'il y en a énormément. Si tout à coup, ça sur la table, ça va être compliqué, je vais vraiment pousser ça au max. Là, ça va aller parce que c'est le début. Mais j'ai peur qu'après ça va être compliqué. Encore que, bon, quand ça sera monté, ça ira au fur et à mesure dessus. Bon, je pense que ça va aller. Allez, c'est parti pour la construction. Donc voilà les premières figurines de ce sachet numéro 4. Alors, la seule chose, c'est que c'est encore les anciennes figurines, les têtes vraiment basiques. Ça, c'est un peintre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, on a un médecin. Alors, ça se voit que c'est encore les anciennes figurines un peu... C'est marrant. Le set, comme il est assez vieux quand même. C'est les têtes, partout les têtes normales, il n'y a aucune tête tempographiée différemment. Et voilà, en tout cas c'est les deux figurines, pour l'instant, hop, comme avant, je vais les mettre par ici. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Et voilà les amis, j'ai fini le petit étage qui va là au-dessus. Et voilà, je vous montrerai ça un peu plus en détail parce que j'ai peur de le retourner dans tous les sens. Et ben, on va passer au sachet numéro 5. Là, et ben, il y en a un paquet. Il y en a pas mal. Alors, je vais faire comme avant. Je vais me débrouiller. On va y arriver. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment être la grosse galère parce que... je me retrouve avec énormément de pièces. Ça me remplit quasiment toute la table. J'ai poussé au max vers là-bas. Bon, je vais me débrouiller. Je vais y arriver. Hein. Mais ça n'a pas été évident. Là, on a aussi plusieurs instruments parce qu'il y a un truc de musique, une école de musique, quelque chose dans ce genre-là. Et aussi une école de danse. Alors, juste pour trouver la perruque, je sais pas où elle traîne. Ça va être très 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 compliqué. Ah, on a un genre de miroir qui est bien protégé pour le coup. Mais je sais pas trop dans quoi ça va. Je savais pas. Alors là, ils l'ont très bien protégé. Et en parlant de ça, justement, eh ben, j'en ai vraiment marre. Les goûts, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Hein. Ils m'écouteront pas, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que les vitres sont souvent rayées. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que je vous avais déjà dit, moi, je mets souvent les fenêtres. Et là, j'en ai nouveau eu plein en bas. J'ai même une grosse petite rayure dans la porte. Et là, j'en ai tellement que, franchement, j'hésite à contacter Lego pour leur dire de me renvoyer certaines pièces. Parce que, franchement, je trouve ça abusé pour le prix, quand même, de se retrouver avec des pièces rayées. Et là, la perruque, ça m'énerve. Donc, je pense que je vais contacter Lego à ce propos et leur demander une nouvelle porte du bas. Je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais je vous montrerai après. Mais il y a une rayure juste à côté de la poignée. J'ai pas mal de vitres aussi qui sont un peu rayées. Et ça, c'est parce qu'ils le mettent avec les autres pièces. C'est un peu logique, mais je comprends pas qu'ils les mettent pas un peu à part, un minimum à part. C'est compliqué de mettre un film dessus pour protéger, etc. Bon, ça je peux comprendre. Mais peut-être mettre juste les vitres à part. Je sais pas si ça aiderait, mais ça pourrait déjà aider. Parce que les mettre, par exemple, avec une pièce comme ça, on a vite fait dans le paquet de se le rayer sans faire exprès. Voilà, bon, bah, c'est encore un petit coup de gueule. Hein. J'aime bien râler. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un peu frustrant quand on se retrouve avec une porte rayée au prix que ça coûte. Voili voilou, et ben moi je vais continuer en espérant que je vais avoir de la place parce que c'est pas gagné. Hein. Alors voilà, cette partie est terminée. Par contre, malheureusement, il n'y a pas des pièces, donc je ne vais pas pouvoir trop vous montrer. Et ben, je vais faire la suite. Hein. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Et ben voilà les amis, les sachets numéro 5 sont finis. Donc c'était vrai, c'était bien toute cette partie. Alors je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure parce que c'est un peu compliqué là à le pencher. C'est trop grand. Et du coup, et ben on va passer au sachet numéro 6. Par contre, ça va vraiment être compliqué là.
parce que comme tout à l'heure pour les sachets numéro 5, et ben il y en a énormément, du coup je sais pas trop comment je vais faire ça. Je vais essayer de faire au mieux et puis ça me calme. Alors voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà déjà les deux premiers personnages. Donc il y a le bébé qui va dans le landau. Donc je vais tout de suite le mettre. Voilà. Et certainement la maman, on verra ça plus tard. Et du coup, et ben c'est parti pour la construction. Alors les amis, je fais une micro-parenthèse, parce que là franchement, ça va être plus simple à faire là. Je vais essayer quand même de refaire la fin, pour ceux qui passent direct à la fin. Mais c'est un clic-clac, donc voilà, tac, et ça se transforme au lit. Ah bah franchement, je trouve ça vraiment classe. Ah si, non, c'est bon. En fait, tu fais vraiment comme un vrai clic-clac. Franchement, je trouve ça vraiment classe. C'est tout con, mais c'est vraiment classe. Le canapé clic-clac, là, je trouve ça vraiment excellent. Autant le lit de prison qu'ils ont fait dans le corner garage, je trouvais ça ridicule. Autant là, je kiffe, c'est vraiment trop trop bien. Bon allez, je vais continuer. Alors voilà. Alors voilà, c'est enfin fini. Et du coup là, je vais finir encore les 2-3 petites choses. Je suppose que les lampadaires vont ici. Donc je les mets là. Je vais peut-être les changer de place, on verra. Je vais finir la fontaine et je reviens tout de suite vers vous. Alors les amis, voilà, la construction est terminée. Ça c'est ce qui reste en pièces. Alors il y en a vraiment pas mal hein, quand même. Ce set. Et tout de suite, eh ben, je vais vous le présenter plus en détail. Alors voilà les amis, le montage est enfin terminé. Et franchement, ce set, il est vraiment magnifique. Je suis pas déçu de l'avoir acheté. Alors il y a juste les lampadaires, je sais pas si je vais les laisser tel quel, mais on verra ça dans une prochaine vidéo sur la ville. La fontaine, je vais peut-être encore un peu l'améliorer en mettant juste quelques ronds dedans bleus. Parce que là, c'est vrai que l'eau, il n'y en a pas. Alors, il y avait aussi ça dont je vous avais parlé. C'est une rayure, voilà, là on la voit, attendez, hop, là, vous voyez, à côté de la poignée, et c'est vraiment dommage, parce que bon, ce type de porte est pas évidente à trouver, et du coup là, ça fait vraiment une belle rayure, on la voit vraiment bien, alors là, on la voit autant bien à la caméra, mais on la voit vraiment bien en vrai, c'est la petite partie dommage, et ce que je disais pendant le montage, que régulièrement, les vitres sont rayées, et c'est dommage qu'ils les mettent pas à part, je sais pas si on le verra, mais il y a aussi ici, vous voyez les petites micro rayures là, on les voit très bien hein, justement. Il y en a aussi ici, on les voit aussi très bien. Et ben ça, c'est des choses que moi je trouve vraiment dommage. Voilà. Il y avait juste ça. Sinon, en gros, il est pas trop mal. Il y a 2-3 petites choses, oui, comme d'habitude, qui sont pas très très logiques. Mais en gros, c'est franchement pas mal. Il est vraiment très joli ce set. Voilà. Alors voilà, moi la chose que je trouve pas logique, c'est que on se retrouve avec les différents étages, il faut rentrer dans chaque pièce, je vais vous montrer ça après. Pour finalement, en haut, il y a un appartement, je vais vous montrer ça tout de suite en enlevant déjà le toit de chaque côté. Donc voilà, là il y a un petit cours de danse, bon, de toute façon c'est un bâtiment à part, donc tout va bien. Là,
Bah, y a un appartement qui est pas trop mal, mais c'est un appartement de bébé, j'ai l'impression. Alors, c'est vachement bien fait là. Il y a comme une petite ville Lego qui a été créée. Il y a des petits Lego partout. Le clic-clac que je voulais montrer, il est vraiment top. Alors, on tire dessus, tac, et ça se transforme en lit. Et voilà, enfin, c'est vraiment super. Il y a un toilette qui est pas mal non plus. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est le bébé, il dort où? Peut-être dans la poussette. Bon, moi, je l'ai mis là-haut, hein, mais techniquement, elle est impossible de monter. Donc, au final, ce petit appartement, il a une méga terrasse avec barbecue géant, etc. Parce que je vois pas trop. À moins que c'est une partie commune. Moi, je vais peut-être dire ça comme ça. On va dire que c'est une partie commune. Mais voilà, moi, ce qui me dérange le plus, je vais essayer de l'enlever. Hop, on va faire ça au mieux. Pour laisser place à l'étage du dessous. Donc, bah, la petite critique, c'est que bah, lui, il a sa pièce à part, mais il doit passer du coup quand même par là. Et la personne qui monte là doit passer devant l'accueil pour pouvoir monter dans son appartement. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Voilà, on a encore ça de côté. Et là en bas, on a quand même cette magnifique boulangerie où là, pareil, hein, du coup, il faut rentrer par là, faire le tour de là, par là. On passe dans la boulangerie, quoi. Pour aller chez le photographe et puis pour aller à l'appartement. Et puis du coup, on se retrouve avec un barbecue en commun, je sais pas trop pourquoi. Le fleuriste, c'est pareil, il a accès direct, il n'y a même pas de porte sur ce coup-là. Voilà. Le fleuriste qui est aussi très 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 beau, hein. Je vais vous montrer ça dans l'autre sens après. D'ailleurs, je vais pouvoir faire tout de suite ça de l'autre sens d'ailleurs. Donc voilà, la boulangerie et la fleuriste. Voilà, là à cet étage, la danseuse avec le magnifique miroir. Enfin, franchement, c'est vachement bien fait. Mais pareil, bon là, il faut aussi passer dans chaque étage pour monter. Ici, il y a une école de musique. Et en bas, eh ben, le petit thé, le salon de thé qui est aussi vraiment magnifique. Alors oui, je critique, mais en fait, ce set est absolument magnifique. C'était juste pour critiquer, juste pour dire quelque chose. Forcément, c'est du Lego, on ne peut pas faire tout parfait. Mais franchement, c'est vraiment, 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 vraiment. Il est vraiment top ce set. J'adore, j'adore vraiment. Donc voilà. Donc je vous remontre encore une fois tout ça. C'est vraiment vraiment magnifique. Donc on commence avec un rez-de-chaussée vraiment bien fait, avec les volets et les portes de commissariat de police, etc. Les genres de portes sectionnelles qui ont été transformées là en verrières et c'est vraiment vraiment top. Là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment vraiment bien bien fait. Avec le four fonctionnel, on peut ouvrir le four et faire sortir le plat avec un petit bouton qui se trouve là en dessous, la petite tige. Voilà, on peut manœuvrer du coup le four. Là, on a le fleuriste qui est vraiment bien fait hein, avec les fleurs devant. Enfin, franchement, c'est vraiment chouette. J'adore. Le salon de thé, qui lui aussi, il est vraiment top. Hein, il est vraiment bien fait. Voilà. Et là-dessus, on vient y ajouter le premier étage qui n'est rien d'autre que une école de musique. Donc, alors, avec une batterie, des guitares. Un saxo. Alors je sais pas si c'est une boutique ou parce qu'il y a une genre de caisse. Je sais pas du coup si c'est une boutique ou une école de musique. Je sais pas trop. Vu que au-dessus après il y a l'école de danse. Donc, là pour le coup c'est une école de danse. Donc je dirais que c'est une école de musique en bas. Voilà, je sais pas trop. Avec le miroir qui était vraiment bien protégé. Je vous avais montré ça en détail dans la vidéo. Si vous l'avez pas vu, bah, c'est que vous n'avez pas regardé en entier. Il y a plein de petits détails que je vous ai montés pendant la construction. Je fais souvent des petits arrêts pour les petits coquinous qui s'arrêtent en cours de route. Mais je peux comprendre, hein. Les vidéos sont parfois longues, en accéléré c'est pas très intéressant, mais voilà. Et là-dessus vient se greffer le dentiste, dont je vous ai même pas parlé avant, en fait. Donc le dentiste avec sa table et tout, inclinable, le meuble avec pas mal de petites choses, l'évier, la petite salle d'attente, et du coup il faut passer par là pour monter à l'étage. Et ici le photographe qui lui a une porte, contrairement au fleuriste qui n'a pas de porte communiquante avec la boulangerie. Qui est un peu étonnant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le photographe avec un vieil appareil photo. Et le dernier étage qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette, c'est un petit appartement. Et là, dans l'appartement, on a une petite fan de Lego, puisqu'il y a une table de Lego. Là, il y a un petit camping-car, je dirais, avec la voiture, enfin, caravane avec la voiture. Là, des petites pièces Lego, le clic-clac qui est vraiment formidable. Après, comme dit, on reproche juste le fait que bah, le bébé, je sais pas où il dort, il n'y a même pas de lit et rien. Et on se retrouve ici avec un immense barbecue, vraiment qui est
de qualité extrême, un méga barbecue et tous les accessoires qu'il faut. Bon, on va dire que c'est des parties communes, je sais pas trop, mais voilà, ça reste vraiment, vraiment, vraiment un magnifique set. Pour moi, il est vraiment très bon. Je recupe tout ça. Là aussi, on a une verrière dessus, du coup. On a une verrière et la trappe pour monter en haut. Voilà, ça change de d'habitude. Voilà, tac, l'accès. Alors oui, je fais plein de petites, comme j'ai dit avant, je fais plein de petites critiques, mais moi je le trouve vraiment très beau. Je trouve les détails des bâtiments vachement bien faits et encore différents de d'habitude. Il y a deux trois petites choses qui seraient à revoir, mais c'est comme d'habitude, c'est toujours, il y a toujours quelque chose à modifier, hein, de toute façon. On n'est jamais 100% content. Mais franchement, ça reste vraiment, vraiment, vraiment un très, très, très beau set. Et sur ce, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important et ça ne coûte rien. Et de mettre la petite cloche de notification pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.